Nabila, reine de la télé-réalité française, ne s'est jamais cachée d'avoir refait sa poitrine, et se laisse d'ailleurs faire réduire quelques années plus tard. Les fans du couple Nabila et Thomas ne se sont toutefois pas interrogés sur une nouvelle opération de chirurgie esthétique de la star, mais sur le fait que Thomas aurait pu lui aussi céder à la tentation. Ils l'ont ainsi soupçonné d'avoir retouché son visage à l'aide de Botox, ce que le couple s'est empressé de démentir. Nabila a en effet pris la parole sur Snapchat ce vendredi 11 juin pour défendre son mari. Apparemment, mon petit mari aurait fait du Botox, ce à quoi Thomas répond jamais de la vie. Si je n'avais fait, ce serait figé. Avant de poursuivre, regardez, une personne qui fait du Botox ne peut pas lever les sourcils ni plisser les yeux. Le pauvre. Thomas y est-il vraiment la personne sur qui à chaque fois les gens disent, ah, mais qu'est ce qu'il a fait? Il n'a jamais rien fait. Autant il y a des hommes qui refont des trucs, ils font ce qu'ils veulent, chacun est libre. Thomas Vergara, quelle est la seule interview esthétique à laquelle il a succombé? Après s'être expliqué, la maman de Milan avoue ensuite que son mari a fait une petite exception, Thomas n'a jamais rien fait à part ses dents, si est-il vrai. Mais si est-il le seul truc? Ce dernier a par la suite confirmé les dires de sa femme, je n'ai jamais fait d'injection de ma vie. Les dents, si est-il tout. Mon nez est tordu. Si la starlette de télé-réalité a eu plusieurs fois recours à la chirurgie esthétique et l'assume pleinement, il semblerait que son mari ne soit pas prêt à passer le cap des injections de Botox ou autres retouches physiques.